Yo, bande de Roger, ici le Matt. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Starforge qui sera peut-être le dernier, peut-être pas, j'en sais rien, ça dépend des opportunités que nous offre le vaisseau spatial là-bas. En effet, il va falloir aller le chercher, le ramener à la maison. Voilà, on va prendre une putain de corde, on va le tirer le machin. Non, pas du tout. Du coup, c'est pour ça qu'il va falloir faire des coffres pour ranger notre stuff si jamais on meurt, car il se pourrait qu'on meure. Il se pourrait bien. Je vais quand même aller vérifier le test son afin de ne pas avoir l'air débile en parlant sous la puissance du jeu. Ok, je viens de prendre un risque en montant le son du jeu, mais de toute façon, je peux gueuler. Hein, c'est le matin et il y a personne chez moi. Du coup, on va un peu faire du craft. Ouais, que voulez-vous ? Alors, par contre, ça, il fallait que je m'explique pourquoi il enlève toujours mon putain de casque. Mais bon, pas très grave. Du coup. Alors, je crois que je peux actuellement faire, à part manque de ressources, ouais, par exemple le Dark Sulfur, j'en ai jamais trouvé vraiment. Je peux quasiment faire tout ce qui est possible de faire. J'irai bien récolter l'autre fois quand je vous ai laissé. Donc là, on va créer ce machin, parce que je sais pas du tout ce que c'est. C'est un Rusty Chain Gun, voilà. Il me semble que c'est ça l'autre fois qu'on avait récupéré. Je ne suis pas sûr. Oh, c'est un putain de minigun! Par contre, va falloir faire des munes. Bon, alors, vous savez quoi? Alors, ça y est, j'ai tiré, l'autre il a mis la musique d'action. Moi qui ai un boss, mais je crois pas. Du coup, ça on va le virer. Et on va mettre ça à la place. Attendez. Voilà. Non, alors la musique, tu te calmes. Hein, la musique, tu te calmes, j'ai encore rien fait. Par contre, du coup, on va refaire des balles. C'est quoi? Ah merde! Attends. Ah c'est ça. Ah c'est en sulfure, hein, mais nickel. Et c'est en 2010, nickel, on va en faire 100. On aura pour l'éternité. Du coup, en attendant, on va choisir ce qu'on va faire. Je pense qu'on va faire des coffres en... Attendez, acier, fer. Je pense qu'on va les faire en fer parce que l'acier ça bouffe trop de ressources. Enfin ça bouffe trop de ressources. Quoique non, attendez, je crois que je peux démultiplier. Attendez. Open smelter. Lui il fait cuire quoi? Stillingot. Et de créer un stillingot, ça coûte combien? Ah oui, je peux pas voir. Par contre, la musique, je comprends pas, là. Excuse-moi, mais calme-toi. Y'a quoi? Y'a l'apocalypse ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'entends les petits oiseaux qui chantent derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il a craqué. Attendez, je vais quand même voir s'il y a pas une météorite qui tombe sur la Terre, là, mais... Merde. Ok. Ah... Alors là, si on prend notre chain gun, voilà, j'ai 16 000 balles, ça va. Ah non, ça va, il s'est mis, j'ai 16 000 balles. J'en ai 956, ça va chier, plus besoin de recharger. Il est toujours là qu'on avait déraciné, non? Non, il s'est rien passé. Hein. On va remettre le jour, hop, tac. Sleep. Il fait pas encore jour. Il fait pas encore nuit. Ok, très bien. Alors. Là. J'ai dit des coffres. Alors, je sais pas. Je vais vérifier combien ça coûte de faire du style. Ça en donne qu'un. Ouais, ça en donne qu'un. Du fer, j'en ai beaucoup. J'en ai 500. Donc, je pense qu'il est plus évident de le faire en fer. Ah oui, non, mais attendez. C'est même pas avec du fer les coffres. C'est avec carrément le minerai, je crois. Ah ouais, non, à ingot. Ingot, j'ai rien. Voilà, jour. Jour, nuit. Du coup, si on fait cuire par exemple, admettons, on a déjà de l'acier. Si on en met. Donc ça, ok, ça en donne deux à chaque fois. Ok. Est-ce que le fer ça en donne deux? Oui aussi, ça va carrément même plus vite, donc on va faire en fer. Comme ça on pourra faire plus de coffres. 150% de speed. Bon, bah, si tu veux, hein, ça me va. Hein. Hop. Non, alors non, là tu m'as baisé par contre.
Non, là tu fais n'importe quoi là. Ensuite, tab, hop, on va faire des fissures. Alors, la différence entre l'acier et le fer, c'est qu'il y en a un qui peut contenir 10 slots et l'autre 8. Mais étant donné que ça coûte moins cher de faire du fer, voilà. Bon, lui aussi, la défense level 2, mais je sais même pas comment il pourrait rentrer là. Donc, ils vont se calmer tout de suite, hein. On va en faire. De toute façon, je peux pas en faire 5. Allez, 5. Très bien, 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut se faire? Alors, ça peut être marrant pour le RP, ça aussi. Genre sur le toit ou les trucs dedans. Ça peut être marrant, ouais. On va créer un système un petit peu. Attendez, c'est bon, j'ai mes coffres. Ok, donc on va faire les coffres, on va les mettre. On va les mettre ici, on peut réserver à quoi? Je sais pas. Les coffres, on va les ranger. Ouais, là pourquoi pas. C'est un bon endroit. Un bon endroit, oui, le bon endroit. Je suis un peu pris. Je sais pas pourquoi, ça doit être le matin. Alors, ça, par contre, j'ai jamais compris comment les mettre droit, ces putains de trucs. Lala. Alors, on va en mettre un là. Un là. J'essaie d'équilibrer, hein, mais. Un là. Un là. Et un là. Voilà. Voilà, ceci est ma salle des coffres. Ensuite, je rangerai plus tard les items. Alors, il nous faut faire. Ça coûte combien? Ok, très bien, ça coûte pas du tout cher. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Food light, facing directional light, second light bulb. Ouais, peut-être, mais je crois que ça c'est plus puissant. Hein. Ça peut être marrant de le faire, ça aussi. Hop. Pas pourquoi, je sais pas pourquoi à un moment donné il y a besoin de ça. Ah, pour le vert, ouais. Wall light. Ah, on va s'en faire quelques-unes, ça c'est intelligent. On va s'en faire une dizaine. Faudra aller rechercher du sulfure par contre. Forging terminal, bah on en a déjà. Raffinerie. Est-ce qu'on a fait la raffinerie? Non, on l'a pas. Hein. On fera ça après. On fera ça juste après. Voilà. Non, non, non! Raffinerie. Putain, ça bouffe de la cive. Va falloir que je refasse de la cive. Est-ce que j'ai toujours ma source d'électricité? Par contre, Power Commandant. Alors, ça, j'ai pas eu de chance parce que. Oh putain, Stealing Gods 200, mon dieu. Les trucs électriques, j'ai rien eu dans cette partie. Il me semble que dans une autre, j'avais plus de trucs, mais c'est peut-être une impression. Donc là, on va faire du fer, de l'acier, du métal. Voilà, alors acier, alors il nous en faut 200, donc il faut en faire 100. Non. Putain, ça me bouffe déjà tellement de ressources, quoi. Et je viens de. Alors, on va tester de poser les petits éléments qu'on vient de crafter. Ça va, bon, ça c'est pour la maison, hein, je dis pas de bêtises, hein. On va mettre un peu. Allez, on va les répartir assez intelligemment. Par contre, c'est relou, tu pourrais le mettre droit? Ah non, pas du tout, tu t'en bats les couilles. Alors, comment je fais pour le récupérer? Ah voilà. Je l'ai détruit? Ah non. Non mais alors, pour le mettre droit, alors ça, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais. Voilà. Bon, c'est presque droit, vous me ferez pas chier. Hein. Voilà. Un peu la base faite à la pisse, vous voyez. Voilà, voilà. Pourquoi pas. Allez, un verre à l'entrée, même s'il n'y a rien ici. Attendez, on va mettre ça dans le four. Oui, ceci est un four. Je sais pas si la raffinerie nous sert à quelque chose, mais je vais la faire quand même. C'est histoire d'avoir crafté un peu tous les items du jeu. Donc, raffinerie, raffinerie. Hop, il nous faut ça. Bon, je mets tout. Hein. De toute façon, le minerai d'acier, je crois pas qu'il nous serve à quelque chose. On peut carrément le mettre sur la porte, n'importe quoi. On peut le mettre par terre aussi. Tiens, on va en mettre. Ah, j'aurais peut-être pu les mettre au plafond aussi. Bon, c'est. On va mettre un là et. Et un là, voilà. Le mec, il a scotché des bâtons sur les murs.
N'importe quoi. Voilà, on va mettre un ici. Voilà, tic tac. Et il nous en reste combien? 4. Allez, un petit là. Bon, peut-être que ça se met droit, hein, mais je trouve que c'est peut-être plus esthétique de côté. Mais bon, c'est pas grave. À ce niveau-là, on s'en fout un peu. On va en mettre peut-être un par ici. Histoire d'avoir une petite cohérence au niveau de la lumière. Là, il y en a pas. On va mettre un devant la porte. Voilà. Donc là, il y en a à peu près partout. Et on va en mettre un dernier. Putain, je peux les mettre super loin, ces machins. On va mettre un dernier. Alors ça. Qu'une idée. Bon, on va pas le mettre. si. Allez, si, ouais. Tiens. Tu sais quoi? Voilà, t'es content. T'es très content. Alors, le beacon. Ça, je sais pas du coup comment ça marche. Du coup, on va le mettre côté du lit. Voilà. Pas du tout. Voilà, ce sera notre petit voyant. Bah, par contre, faut pas que tu tournes tout le temps. Ça sert à rien, mec. Si? Ça sert à quoi, en fait? Juste pour vérifier. World attaching self power light can be colored with paint gun. Ok, ça sert à rien en fait, c'est juste pour rigoler. Et donc je peux le colorer. Bon, j'ai pas le paint gun en main, mais. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il voulait le monsieur? Ouh là 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 là, putain, il m'a fait peur celui-là. Je sais pas où il est. Faudrait qu'elle s'active seulement quand il y a des ennemis en fait, la lumière rouge. Pas comment on peut faire des systèmes électriques. Mais... Il est où le bousin? Putain, j'ai des pertes de FPS, ça c'est violent. T'es mort là? Putain, mais je t'ai déglingue. Bon, ça pour un peu de fibre. Putain, mais je rame là. C'est la rame des canards là. Attendez. Hop. Waouh. Bon. Ensuite, donc maintenant qu'on a fait les coffres, donc il faut faire la raffinerie. La raffinerie. Ah oui, je l'ai déjà craft. Putain, je suis allé tellement vite. Non, attends. Si, bah si, elle est là. Et je deviens fou. Elle est dans mon inventaire en haut. Non. On va la mettre. Voilà. On va la mettre à côté des autres. Hein. Ah non, non, pas du tout. Si, ah si, c'est bon. Mais j'ai toujours l'impression qu'on les met à l'envers. Ah, il faut une source d'énergie. Bon, bah du coup, j'ai pas fait ça pour rien la dernière fois que je l'ai fait. Attends, en plus, ça coûte masse 200 lingots. Et range 5 mètres, tout ça pour avoir que 5 mètres, je crois. C'est-à-dire que la searchlight, attendez. Petite expérience. Elle a besoin de lumière. Du coup ça. Ça a besoin de lumière. Du coup ça, on va le mettre sur le toit. Non mais je veux juste tester la searchlight. Searchlight. Pour voir si ça fonctionne quoi. On va en mettre une là, tiens, on va voir. Alors attends. La batterie, on va la poser là. Et puis on va mettre la searchlight et la raffinerie. Je trouve ça grave stylé. Ah, attendez, est-ce que la raffinerie, il y a moyen que je la mette dessus? Non, il n'y a pas moyen. Non, il n'y a pas moyen. Par contre, les security settings, je sais pas du tout comment ça se marche. Et transfert ownership, alors ça, encore moins. Ownership, je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment ça marche. Là, oui, la raffinerie. Je vais faire une petite pause. Bon, la raffinerie sur le toit, ça choquera pas, hein, vous êtes d'accord. Regardez. On dirait que c'est fait exprès. Bon, petite coupure.
Alors voilà, putain, j'ai que 20 FPS. Ouais. Ah, par contre, là, je. Je vais dire, je sais pas ce que tu recherches. Non, tu fonctionnes parfaitement. J'ai rien dit. Fuck you! À l'ancienne. Monsieur nous donne du titane. Hein. Monsieur a gobé du titane, je ne sais où. Bon. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas moyen d'augmenter un peu ses FPS, un peu relou. J'en sais rien. Je pense que c'est parce qu'on a mis beaucoup d'éléments dans la zone. Du coup, par contre, le beacon, on va le garder parce que là, il est pas très utile. Hein. Si on change les security settings. Si on fait transfert à ownership. D'accord. C'est un peu nul. Voilà. Du coup. Qu'allais-je faire? Attendez, je suis perdu dans mes pensées. Ah oui, ça on va tester quand même, ça coûte pas cher. Ah, c'est très rigolo ça. Regardez, on peut faire des ombres chinoises, au calme. Ok, c'est pas mal. Ça on va le mettre... Ça, je m'en occuperai plus tard de la gestion des lumières. Hein. Suite des événements. Il y avait aussi... Je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais crafter. Hein. De toute façon, on a crafté quasiment tout. Il y aura aussi peut-être des tourelles après, dans le même genre que les lampes. Là. Pour l'instant, je les ai pas chopées. C'est pour ça qu'on va aller dans le vaisseau. Je vais quand même voir de combien de temps ça fait qu'on filme. Voilà, ça fait qu'une quinzaine de minutes. Du coup... on va ranger tout ce qui pourrait nous intéresser dans les coffres. Alors là, ça je sais pas à quoi ça sert, donc je m'en fous. On va l'ouvrir. Oula, ah oui, d'accord. Bon, déjà on va ranger tout ce qui nous... Non, alors non, ça je veux pas. Voilà. Je sais pas, comment je peux... Non. Ouais, y a pas moyen de faire comme dans Minecraft. Ça, on va le garder parce qu'on n'est toujours pas le spec up pantalon. Voilà. On va quand même en garder. Attendez. Ils sont où? Ah d'accord, je les ai balancés par terre. Non, non, alors pas tout. On va en jeter split 2. D'accord, ça marche aussi. Hein. D'accord, alors je fais n'importe quoi, désolé, je me sers jamais de ce putain d'inventaire. Voilà. Ça, on va faire pareil. Split 1. Et là, je crois qu'on est bon. Donc ça, on a réservé notre équipement. On va quand même mettre toutes les armes dont on se sert pas, si jamais. Les balles, c'est pas très compliqué. Ah bah, tenez, avant de mettre les balles ou quoi que ce soit, on va mettre toutes les autres... Non, attends. Ouais, si c'est... Allez, armure et outils, on va mettre ici. Attends. Ah oui, il est peut-être plein. J'avais pas pensé à ça. Bon, on va mettre que les armures. Là. Voilà, ici, on va mettre les outils et les armes qu'on ne sert pas, dont on ne se sert pas. Hein, très bien. Du genre, attendez, ça c'est quoi ça? Graphendrill, c'est celle qu'on utilise. Hein, ouais. Donc ground pounder, ça aussi, on enlève. Au pire, on peut les recrafter, mais bon, ça nous évitera de les recrafter. Tout ce qui est ça, on va peut-être l'utiliser pour une fois. Hein. Les ressources, alors les ressources j'en ai pas besoin donc je les mettrai tous dans un autre container. Attendez, les armes, donc zip gun j'en ai pas besoin, ça j'en ai ramassé je sais pas pourquoi, assault rifle j'en ai pas besoin, ça je sais pas ce que c'est, j'en ai pas besoin, ça non plus. Voilà, donc là on a notre petite réserve d'armes. Ensuite là on va mettre les minerais. La porte, pourquoi pas. Bon, alors tout ça on s'en fout, c'est craftable assez facilement. La bouffe, je pense que je vais l'utiliser en fait, ça, tous les deux trucs là, je vais faire plein de trucs avec. La terre on s'en fout, la stone on s'en fout, chrysalis or, alors ça je crois que ça peut être pratique, qu'on va la poser. En fait je crois que je vais tout poser, ce qui peut aider à faire des crafts et que je suis en ramassé. Ce que j'ai récupéré par centaines l'autre fois là.
Attendez, ça c'est quoi? Sandstone. Bon, ça m'a fait chier de la récupérer, je vais quand même la poser. Hop. Ah oui, c'est plein. C'est plein, c'est plein. D'ailleurs, faudra qu'on fasse cuire ces minerais. Petite musique flippante. Et voilà. Et voilà, et voilà. Ensuite, Iron Ingot, on va poser. On pose. On pose. J'espère par contre on aura besoin de crafter rien. Normalement, je suis assez équipé là. Putain, il reste du. Putain, attendez, on va le mettre là. Je sais qu'il reste un slot. Donc cet épisode qui aurait été un petit peu calme mais qui va peut-être commencer à s'accélérer. Là-dedans, il y a eu quoi? Là-dedans, c'est plein. On va mettre les outils ici encore, parce qu'il y en a d'autres. Tac, 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 genre ça. J'ai pas envie de le perdre, parce que c'est pas forcément super à refaire. La chainsaw, j'en aurais pas besoin. J'ai juste besoin de. Mais non, j'ai même pas besoin de la graphène en fait. Hein. Voilà, je crois qu'on est parti pour perdre le moins de choses possible. Je dirais même qu'on va y aller. Non, elle peut être utile, la sulfateuse. Elle peut être utile. Non, on va ramasser quand même du sulfure. On va se refaire des balles de. Attendez. 87, 958. Non, ça, c'est suffisant. C'est suffisant. Après, dommage qu'on n'ait pas une meilleure armure. Parce qu'en fait, il y a une radiation qui inflige des dégâts, mais bon. Du coup, on va se faire de la bouffe. Ça, c'est en cas de besoin. Je vais en faire une autre. Blueprint, non, j'ai jamais chopé le blueprint de ça. Bon, bah. Du coup, on va en faire 10, je pense. Histoire d'être au calme. Je pense que je vais m'en injecter toutes les 2 minutes, hein, c'est pour ça. Voilà. La bouffe, on va en faire un petit peu. Je réfléchis. Normalement, ça devrait être bon. On va en bouffer une ration tout à l'heure. Ça, c'est. Hop, alors ça, on va le mettre en 1. Ça, comme ça. Ça, je peux laisser en 5. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Peut-être mettre des grenades. On a quoi dans les trucs qu'on envoie? Sonar probe, hostile player. Ah bon? D'accord. Very well level. Ok, pourquoi pas. Glowstick. Smoke grenade. Bon, ça servira à rien. 9 beacons. Across the map. Ça aussi. Attendez. J'ai plus du tout d'huile. Ah oui, non, mais j'ai tout posé, c'est vrai. Et frag grenade, pourquoi pas. On va les équiper, hein. Tant qu'à faire. Et attendez, c'est moi, on n'a pas notre. Attendez. Il y a un petit problème là, monsieur. Rhabillez-vous, s'il vous plaît. Ah, voilà. Bon, je vous fais une coupure quand j'y serai. De toute façon, on y est déjà allé. Là-bas. Tout là-bas. Truc blanc là. C'est parti. Par contre, je sais pas si j'y vais de nuit. Donc, je vais peut-être remettre le jour avant de faire ça. Donc, je coupe. Ça y est. On y est. Comme vous pouvez le voir, ça. Il y a un peu beaucoup de mobs. Je pense qu'il serait préférable de les tuer un par un. La souris qui fait de la merde, on en parle. Attendez. C'est pas le moment d'avoir faire de la merde. S'il y avait un système de sauvegarde automatique, j'aimerais bien là. Ou de sauvegarde rapide plutôt. Je crois que je suis même prêt. Attendez, je suis prêt à baisser les graphismes pour avoir le maximum de fluidité. J'ai vraiment peur qu'on se plante là-dessus, ce serait con. Tic tac 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 graphicality. M'en fous des nuages. Ça aussi je m'en fous. J'adore quality medium. Voilà. Ouh là là. Est-ce qu'on n'a pas fait cracher? Ouh là là, ah oui effectivement. Ouh là. Bon, je suis pas sûr qu'on ait plus de FPS. On va les mitrailler un petit peu. Ça marche bien, on n'a pas de snipe, mais.
je me rappelais cette arme, elle nous faisait reculer un truc de fou. Ne restera rien. J'y vais doucement. Hein. Il y a une boîte là-bas, vous voyez. Ouh putain. J'ai eu peur, mais c'est déjà les radiations là. J'ai pas perdu beaucoup de vie, mais ça peut flipper. En fait, il est pratique ce putain de cochon, il me les amène. Allez. Normal qu'on perde de la vie, il va falloir s'y habituer. Juste surveiller la jauge. Merde, putain de Steam qui s'ouvre. Putain. À chaque fois. Je veux courir et fermer le... Il y en a une autre là, attendez. Ça fait flipper quand on perd de la vie dans ce jeu, c'est n'importe quoi. Blast charge, je crois qu'on l'a déjà, mais je le prends quand même. Putain, alors ça me rend fou par contre. Il y a d'autres bestioles. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, c'est rigolo. Putain, c'est sorti de nulle part. Hein. Putain! Steam, tu me casses les couilles. Oh putain, j'ai vu un truc bizarre dedans. Attendez. Je vais revenir en dehors, il faut que je prépare quelque chose. Ah, le Skype. Il faut aussi que je prépare ça. Non mais mets pas la musique épique. Ah. Bon. Ok. Alors, il nous faut des blocs, j'y avais pas pensé. Nickel, on a ce qu'il faut, c'est parti. J'ai le stress là les gens. Non, vous arrêtez de... Putain. Ok, attendez. Une petite coupure Skype. Ok, nickel. Parti. On va se faire des glingues. Mais c'est pas très grave. Si, c'est un peu grave. Mais regardez-moi déjà ce machin. Putain, on n'est pas rentré dedans, j'ai déjà flippé quoi. Alors là, je suis pas d'accord. Wouah! Mais non! Putain! Oh le machin, il m'a quasiment mis mid-life quoi! Attendez, on va y aller, hein. C'est juste que. Je crois que j'aurais pas assez de potions de. Putain! Ça y est, je flippe. Non mais tire pas vers le bas! Il est bugué. Putain, il est bugué. Wouah! Je me suis tapé une de ses flips! La musique, elle arrange rien, hein, je vous jure! On a pas assez de trucs de vie, il va en falloir beaucoup plus. Ok. Putain, j'ai cru qu'il y avait un truc à spawner. Ne pas rester à proximité de ces trucs quand on les tue surtout. Ok. Putain, mais ça explose quand même autant. Ah mais... Ah ouais. Je crois qu'on l'avait déjà ça. Merde, putain. Alors, Steam... Si je pouvais te tuer, Steam, je le ferais. C'est de la maîtrise, c'est de la maîtrise, c'est de la maîtrise. Ok. Ok, ok, ok. C'est parti. Deux coffres à droite. On s'écarte. Putain. Oui. On est déjà assez écarté. Voilà. Très bien, ici, il n'y a plus rien. Je prends tout, hein. On verra après. Merde, non mais tire pas dans les coffres. Wow.
Ah, la tension qui monte. Vous la sentez, la tension? Là, c'est du décor, ok. Ça, on a déjà, ok. Il faut ça. On prend tout. On est des fous, on est des fous. Ah bien. Ça, qu'est-ce que c'est? On prend tout, on est des fous. On est des fous, je te dis. Ok. Ok. Ok, pas d'ennemis environ. On est des fous. On est des fous. Allez, arrête de steam, putain. Quelle idée de mettre des radiations, ça me fait déjà assez flipper comme ça de te faire tuer par les ennemis. Attendez, je viens d'où là? J'ai pris ça? Ouais, j'ai pris. J'ai pris tout. Ok. Ok, rien là. Rien là. On a déjà tout vidé là? Putain, j'espère qu'on a tout récupéré parce que... À moins qu'on puisse ouvrir les portes là. Non. On va sortir et voir s'il n'y a pas moyen de trouver une autre entrée. Là, il n'y a rien derrière. On est allé là? Ah non. Putain! On n'a pas fini d'avoir des frayeurs. C'est moi qui vous le dis. Ça, je l'ai ramassé. Ah non. Je me suis perdu. Vous vous rendez compte que je me suis déjà perdu là? Moins qu'il est spawn dedans. Non mais on a tout vu il me semble. Ouais là il y a nos blocs de bois. Je vais refaire un tour, on a encore du... On a le time. On a le time. Il n'y a pas de porte ni rien. Non, je crois qu'on a fait le tour. On essayera d'aller autour pour ramasser des trucs. Là on va se barrer en courant. Tu sais qu'il y a une bestiole. Putain, ce stress. On va s'écarter un peu, voir tout ce qu'on a récupéré. Aïe aïe aïe. Dis donc. Je suis vacciné maintenant. Putain. Mais à côté, ce truc, c'est tout mignon, quoi. Ah, merci. Ok, bon. Posons-nous. Bon, je pense la moitié, on les avait. Alors, blast charge, ça, il me semble qu'on a. On a. Ensuite, guardian helmet. C'est quoi, guardian helmet? Oh, putain, du stuff encore plus puissant! Spec Ops Helmet, on l'a déjà. Graphene Ramp Blueprint, on l'a pas, mais bon, c'est pas grand chose. Conteneur Monolithium. Ah, encore des trucs plus grands. Graphene Dour, si tu veux, hein, si ça t'amuse de faire des portes en graphène. Spec Ops Vest, on l'a déjà. Putain, on a. Service Plante, ça sert à rien. Overship! Yes! Yes! Ah, putain, chain gun! Ouais, déjà celui-là. Ah, on n'avait pas le rusty, je crois. Et large. Voilà, alors là. Là, moi je te dis qu'on a complété le jeu. Attendez, il y a un truc, j'étais pas sûr. Ok. Attendez, on va quand même visiter autour, voir s'il n'y a pas une autre entrée. On va se remettre le stress un petit peu là, on y retourne. On y retourne, voir, je sais pas s'il y a pas des trucs dessus. Également. J'ai pas l'impression, mais on va faire quand même le tour. Parce qu'il y a encore des boîtes comme ça. Oh, il y a un truc qui vole là-bas. Oula. Non. Je sais pas comment c'est efficace le truc qui nous tire dessus là-bas. Enfin, qui nous tire dessus, qui vole. Parce que même dans eux, des fois, il y a du bon stuff, donc je prends quand même. Oula. Putain, j'aurais ouvert Steam un nombre de fois incalculable. Je vais essayer de tuer ces bestioles. Est-ce que c'est offensif? Mais arrête! Putain!
Machin, ça tire des putains de lasers. Démon de l'enfer. Y'en avait pas un autre? Si, je l'entends. Ah, il est là. Putain, faut leur mettre deux balles en plus, c'est déjà assez compliqué à... Non mais reviens par contre. Putain, ils ont vraiment fait des musiques qui mettent la hype, hein. Tant que je me fasse pas tuer dans le dos. Hop, du Voltronic un petit peu. Je vais pas rater de cube ou quoi que ce soit. Peut-être rentrer par dessous, hein, je sais pas. Merde. Putain, j'ai roll bug. Ah voilà. Des fois il tire vers le bas, je comprends pas. On dirait un recul inversé quoi. Est-ce qu'il y a une entrée dessous? Ou attendez, alors il y a ces bestioles là. Alors toi, ne pose plus la question maintenant. C'est fini. Hein. Oh, c'est quoi ce machin? Ah, c'est des charges de C4. Non, je pense qu'il n'y a rien dessous. Bon, on va quand même jeter un coup d'œil, même si je pense qu'il y a des monstres qu'on voit pas et qu'on va se faire des câbles. Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ah, il y a lui, par contre. Effectivement, on ne les voit pas quand ils sont sous l'eau. Les arbres à couilles sont revenus. Génial. C'est longtemps. Des boîtes là-bas encore. Un épisode qui a commencé doucement, qui finit quand même riche en. Qui va finir riche en. Putain. Cette zone me fait carrément flipper par contre. Je sais pas pourquoi, mais les fleurs bleues comme ça énormes et tout. Par contre, c'est assez stylé quand même le petit lac comme ça. Aucune idée, je vais jeter un coup d'œil, mais j'ai aucune idée s'il y a quelque chose dessus. Hop, Minecraft style, ma gueule. On va monter plus haut encore. On va changer de bloc par contre. Je crois qu'on aura vu tous les ennemis du jeu avec ces conneries. Hein. Tac tac tac. Alors, prendre des blocs de clé, ça sert à rien. Hey! Alors sur le toit directement, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose. Peut-être plus haut, j'essaie de. Par contre, avant de... hop, ça, on se pose pas de questions. Ok, bah je crois qu'on a quasiment tout vu. Hein. Attendez. Ah non, merde. Merde, merde, merde. Bah ouais, je crois que là, on a fait le tour. On va tuer encore quelques bestioles. Là-dessous, il n'y a rien, j'ai pas l'impression. On va se tailler. Je crois pas que. Je crois pas qu'il y ait autre chose. Autre chose d'intéressant. Je vois plus trop de cubes en plus. Non. On va se tailler. Coulouloulou. Starry, starry. Allez. Oula, oula. Ouais, on va se tailler, vraiment, pour de vrai. Ou pour de vrai, en fait. Putain, si on meurt maintenant, j'aurai un peu la haine, alors toi... On va se tailler. On va prendre ça, quand même. Ouais. Le mec, il dit on va se tailler, non. Prends le stuff. Ah, bon, comment on allume la lampe? G.
Non, V. Ah, V. On va pouvoir retourner dans notre maison et crafter tout ce qu'on a pu récupérer. On va faire... Je vais peut-être vous faire un épisode bonus où je fais n'importe quoi, je ne sais pas. Voilà, on va se mettre full vie, très bien. Ah putain, ah ouais, attendez, avant ça, je vais aller chercher les trucs dans les quatre côtés là. Et je vous laisserai quand je serai revenu. Bon, on l'aperçoit, elle est là. Cet épisode aurait été long, mais sympathique. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai tourné. Cet épisode est un peu spécial, hein, vu qu'on approche de la fin, je pense. On a pillé tout ce qui était possible de piller, si j'ai connaissance du jeu un minimum. Au moins que... Non. Je vais vérifier quand même à combien de temps on est, pour savoir si j'enclenche un nouvel épisode ou pas. Bon, je pense qu'on en a fait pas mal déjà pour aujourd'hui. Je vous propose de me retrouver dans le prochain épisode où on va crafter tout ce qu'on a trouvé. Et je vous dis à plus.